Il fait super beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, bonjour à tous mes petites beautés. Comment ça va bien? Comment ça va bien depuis le temps? Ah, c'est Mister Poilus. Toujours fidèle au poste. Bon, mes petites beautés. On est au mois de mars. Alors, vous savez ce qu'on va faire au mois de mars? On va couper à ras tout ça. Alors, je suis désolé pour le son. Vous entendez beaucoup de bruit. C'est normal. Je suis à côté de la route, là. Il y a eu un petit déménagement. Donc, maintenant, on va faire de la prêle sur le balcon. Il y a de quoi faire. Mais, voilà. Alors, mois de mars. Bon, moi, celles-là, je les ai déjà bien élaguées. On va couper à ras. C'est-à-dire qu'on va couper vraiment jusqu'à la racine. Ok ? Et ça va repartir. Il y en a déjà certaines qui repartent là. Elles sont toutes noires. Elles sortent de terre. Alors là, on les prend. On les remet dans l'eau. On attend. Et quand on aura de belles racines, on pourra refaire des jardinières. Et là, je vais en faire sur tout le balcon. Allez, tout ça là. Ici, là-bas au bout, là, au pot. Je vais faire tout ça en jardinière. Donc je vais repartir dans les boutures, mais là à un niveau intensif. Comme ça, dans un an, je vous montre ça, c'est vert, c'est rempli. Dans l'intervalle, j'ai reçu dans ma boîte mail une demande de Raphaël et d'un ami à lui, dans le sud de la France, je crois, qui me demandait pour des boutures, parce que la plupart vous faites des boutures, alors ça marche plus ou moins bien, et il s'avère peut-être que c'est le plan à la base qui est peut-être pas de bonne qualité quoi. Donc régulièrement on me demande si je peux renvoyer quelques boutures de ces plantes là, parce que celle-là, bah, vous le voyez à travers les vidéos, les boutures ça fonctionne, hein. On a un beau vert phospho. Okay. Donc ok, cette année je suis chaud, c'est parti. Donc je demande à ceux qui ont déjà reçu des boutures de mettre en commentaire comment ça s'est passé. Si vous avez reçu... Ah putain, le bordel ici. Si vous avez bien reçu dans l'emballage, si tout s'est bien passé, le transport, etc. Et aussi savoir... si vos boutures ont prise et ce que ça a donné. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos boutures, ce que ça a donné, les échecs, les réussites. Et puis ceux qui sont intéressés, bah, pareil en commentaire, utilisez pas trop la boîte mail parce que je la consulte pas souvent, les commentaires c'est plus simple. Voilà. Hein, vous me dites quoi? Allez, je vous embrasse. Et puis bah, pour les 4 prochaines semaines, là, big up quoi, de la force. Bon courage à tous. Ciao.